Brian Molko. Laurent, Brian Molko utilise sa carte de bon client que tu lui as donnée la dernière fois. Donc, merci, il vient quand il veut. Ça va, Brian? Ça va, ça va, Thierry. Tu peux venir quand tu veux. Voilà. Merci. La dernière fois que tu es venu, il y avait Sacha Distel. Et ce soir, il y a Hervé Villard. Alors, vous avez un point commun, tous les deux. Ah ouais? Ah oui, oui, absolument, vous en avez plein, mais au moins un. C'est que, comme Hervé Villard, tu as été, Brian, ami avec un prêtre. C'est vrai. Ouais. Voilà, vous avez fait des petits séminaires ensemble à l'époque. C'est un signe. C'est un signe, non? Et puis toi, le problème, c'est qu'à 14 ans, tu as découvert ta sexualité, tu as oublié les curés. Ouais. Les curés ne m'ont pas oublié, c'est ça. T'as été victime de... Non, pas du tout, j'ai jamais été victime de... Toi, t'as abusé d'un curé? Moi, je me suis abusé de moi-même. Oh, est-ce qu'on peut couper ce geste? Il n'y a pas de mal à se faire. Moi, j'ai abusé de moi-même, d'accord? T'as vu deux portos dans la voiture, je t'avais dit, là, tu vois, des curés. Je t'assure, on va rentrer. Hein. Mais en fait, c'est peut-être cette enfance proche de ce curé qui a fait que dernièrement, tu as fait un disque qui s'appelle Sleeping with Ghosts, c'est-à-dire dormir avec des fantômes. Mm-hmm. C'est ce mysticisme peut-être qui est revenu, non? Bah, j'ai toujours gardé ça avec moi, j'ai toujours... Moi, je suis reconnaissant de ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec l'écriture. Et les métaphores bibliques, c'est quelque chose de très très fort. Alors, tout à fait. Oui. On peut faire de très belles chansons, il y a de très belles choses dans la Bible à chanter. Ouais, mais dans la Bible, il y a plein d'incestes, viols, etc. Il y a pas ça. C'est, ouais, il y a ça aussi. Et il y a ça aussi. C'est ça qui m'intéresse ces jours-ci. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'ils sont allés vraiment creuser au fond des choses. C'est là que ce qui est extraordinaire, c'est que la dernière fois, Brian Molko s'est très bien entendu avec Sacha Distel. Et ce soir, je pense que tu vas très bien t'entendre avec Hervé Villard. C'est quand même l'émission du choc des cultures. Voilà. Alors, cet album Sleeping with Ghost est réédité avec 10 reprises de grands standards internationaux. Il y a Johnny et Marie de Robert Palmer, il y a Melody Nelson de Serge Gainsbourg, Daddy Cool de Boney M, ce qui est quand même extraordinaire de voir Placebo qui joue du Boney M. Et puis il y a aussi la réédition en français d'un morceau qui s'appelle Protect Me From What I Want, qui s'appelle Protège-moi en français, avec des paroles de Virginie Despentes, Didier. En version anglaise. Version française. Placebo, Brian Molko. Et alors? Et alors en mars, il y a le DVD qui sort, qui s'appelle
Soul Max Never Die, live in Paris. Le premier DVD live de Placebo, le concert à Paris. Voilà.